Nous expliquerons l'origine de la propriété, les causes de son établissement, de sa longue durée et de sa prochaine disparition. Nous établirons définitivement son identité avec le vol. Jamais vu cela. C'est l'utopie. Ça n'existe pas. Monsieur, il faut donc, selon vous, brûler tous les titres de propriété. Ils n'ont aucune raison d'être. À vous de voir ce qu'il faut faire. Moi, je me borne à considérer la propriété et donc je me demande si c'est une chose qui existe vraiment, qui est réelle, qui est possible. Et il me semble découvrir que la propriété peut se manifester comme accident, mais que comme institution et principe, elle est mathématiquement impossible. Mais il faut effectivement distinguer dans la propriété, premièrement, la propriété pure et simple, le droit dominal, seigneurial sur la chose, ou comme l'on dit, la nue propriété, et deuxièmement, la possession. La possession est dans le droit, mais la propriété est contre le droit. Supprimer la propriété en conservant la possession. Et par cette seule modification dans le principe, vous changez tout. Dans les lois, le gouvernement, l'économie et les institutions. Ma chambre à l'hôtel, ma place au spectacle, ma compagnie et mon bataillon dans la garde nationale. Tiens et mien sont signes à expression de droit personnel, mais égaux, appliqués aux choses hors de nous. Ils indiquent possession, usage, fonction. Mais non pas propriété. La propriété, c'est le droit d'aubaine, c'est-à-dire le pouvoir de produire sans travailler. L'aubaine reçoit différents noms selon les choses qui la produisent. Fermage pour les terres, loyer pour les maisons, bénéfice, gain, profit pour les échanges. Intérêt pour l'argent. Cet intérêt que toute l'Antiquité s'est accordée à flétrir sous le nom d'usure, lorsqu'il sert à payer le prix de l'argent, mais que l'on n'a jamais osé condamner sous les dénominations de loyer, fermage ou bénéfice, comme si l'espèce des choses prêtées pouvait jamais légitimer le prix du prêt, le vol. L'ordre public ne demandait que la garantie des possessions. Pourquoi la loi a-t-elle créé des propriétés ? Monsieur Charles Lecomte, traité de la propriété. La France, considérée comme nation, possède un territoire qui lui est propre. La France, comme un seul homme, possède un territoire qu'elle exploite. Elle n'en est pas propriétaire. Pourquoi ? Il en est des nations entre elles comme des individus entre eux. Elles sont usagères et travailleuses. C'est par abus de langage qu'on leur attribue le domaine du sol. Qui a le droit de faire payer l'usage du sol, de cette matière qui n'est point le fait de l'homme ? Est-ce le propriétaire ? Est-ce lui qui, par la vertu efficace du droit de propriété, par cette qualité morale infuse dans le sol, lui communique sa vigueur et sa fécondité ? Voilà à quoi consiste le monopole du propriétaire. Que n'ayant pas fait l'instrument, il s'en fasse payer le service. Que le créateur se présente et vienne lui-même réclamer le fermage de la terre, nous compterons avec lui. Ou bien que le propriétaire, soi-disant fondé de pouvoir, montre sa procuration. Moi, je voudrais vous prouver que ceux qui ne possèdent pas aujourd'hui sont propriétaires au même titre que ceux qui possèdent. Mais au lieu de conclure à ce que la propriété soit partagée entre tous, je demande que par mesure de sûreté générale, elle soit abolie pour tous. Un homme à qui il serait interdit de s'arrêter dans les champs,
de passer sur les grands chemins, d'allumer du feu, de se mettre à l'abri dans les cavernes. Cet homme-là ne pourrait vivre. Ainsi, la terre, tout comme l'eau, l'air, la lumière, sont des objets de première nécessité dont chacun doit user librement sans nuire à la jouissance d'autrui. Pourquoi la terre est-elle appropriée ? Monsieur Charles Comte, comme il le disait tout à l'heure, affirme que c'est parce qu'elle n'est pas fugitive, d'autres que parce que c'est elle n'est pas infinie. La terre est chose limitée, donc elle doit être chose appropriée. Il semble qu'il devrait dire au contraire, donc, elle ne doit pas être appropriée. S'empare qui voudra des rayons du soleil, de la brise qui passe et des vagues de la mer, mais qu'un homme vivant prétende transformer son droit de possession territoriale en droit de propriété, moi, je lui déclare la guerre. La propriété, c'est la négation de l'égalité. Tous les raisonnements que l'on a imaginés pour défendre la propriété, quels qu'ils soient, concluent toujours et nécessairement à l'égalité, c'est-à-dire à la négation de la propriété. Le droit romain définit la propriété jus utendi et abutendi res sua, le droit d'user et d'abuser de la chose. On a essayé de justifier le mot abuser en disant qu'il exprime non l'abus insensé et immoral, mais seulement le domaine absolu. Distinction vaine. Le propriétaire est maître de laisser pourrir ses fruits sur pied, de semer du sel dans son champ, de traire ses vaches sur le sable, de changer une vigne en désert et de faire un parc d'un potager. Ceci est-il oui ou non de l'abus ? Comment donc la société se reconnaîtrait-elle un droit contre elle ? Comment, ayant accordé la possession, a-t-elle pu concéder la propriété ? La propriété, monsieur, le droit d'aubaine sur un sol que l'on n'occupe ni ne cultive. L'homme s'est trompé sur la constitution de la société, comme il s'est trompé sur la cause des météores et le mouvement des corps célestes. Ces vieilles opinions ne peuvent être prises pour article de foi. L'autorité du genre humain attestant le droit de propriété est nulle, parce que ce droit, relevant nécessairement de l'égalité, est en contradiction avec son principe. Car, puisque tout homme a droit d'occuper, par cela seul qu'il existe, et qu'il ne peut se passer pour vivre, d'une matière d'exploitation et de travail. Et puisque d'autre part, le nombre des occupants varie continuellement par les naissances et les décès. Il s'ensuit que la quantité de matière à laquelle chaque travailleur peut prétendre est variable, comme le nombre des occupants. Par conséquent, que la possession en droit ne pouvant jamais demeurer fixe, il est impossible, en fait, qu'elle devienne propriété. 50 siècles pour l'extirpation d'un mensonge. Combien, pendant cette lamentable période d'usurpation sanctionnée, d'invasion glorifiée, de conquête bénie, que d'absents dépossédés, de pauvres bannis, d'affamés exclus par la richesse. Bientôt le peuple, qui n'a pu ni voulu vendre sa terre, qui n'a pas touché le prix de la vente, n'aura plus où se reposer, où s'abriter, où récolter. Il ira mourir à la porte du propriétaire, sur le bord de cette propriété qui fut son héritage. Et le propriétaire, le voyant expirer, dira « Ainsi périssent les fainéants et les lâches. » Pourtant, il est démontré que nul homme ne peut s'enrichir sans qu'un autre s'appauvrisse. Tout chef de manufacture qui fait travailler 1000 ouvriers et qui gagne sur chacun un sou par jour est un homme qui prépare la détresse de 1000 ouvriers. Tout bénéficiaire a juré le pacte de famine. Tout travail humain résultant nécessairement d'une force collective. Les hommes sont associés par les lois physiques et mathématiques de la production.